Les premiers explorateurs de la Lune, nous avons la chance d'avoir trois spécialistes. Je vais vous expliquer pourquoi. Moi, je suis journaliste scientifique, j'ai couvert quelques vols, j'ai vécu aux États-Unis. C'est très important, effectivement, de voir ce qui s'est passé il y a 50 ans pour comprendre aujourd'hui ce qu'on fait. Et puis, nous aurons une deuxième table ronde. Je vais vous présenter chacun des intervenants. Nous avons une heure et quart à peu près devant nous et tout de suite on va avoir la possibilité, vous allez avoir la possibilité de poser des questions et de réagir, et je ne vais pas faire mon discours mais je vais quand même présenter les intervenants parce que leur histoire et leur expérience est assez extraordinaire. Pour ceux qui ont vu le film, j'imagine la majorité d'entre vous, il y a donc Bernard Chabert qui a fait ce très beau L'appel du large, reporter à Europe 1, pilote d'avion léger, lui-même une tradition de fils de pilote et son propre fils est aussi pilote. Envoyé à Houston, il a couvert, comme il vous l'a dit brièvement, Apollo 14, 15, 16 et 17, puis Skylab, puis beaucoup d'autres missions évidemment, sans parler des missions européennes et russes. Avec Dave Scott, il a passé 3 heures, Dave Scott est un astronaute d'Apollo 15, il a eu la chance de passer 3 heures dans un simulateur de module lunaire quelques mois avant la mission. Je peux vous dire qu'aujourd'hui, c'est totalement impossible, surtout pour un étranger. Et il avait découvert à quel point le pilotage du module lunaire en phase finale était quelque chose d'extrêmement périlleux à l'approche de la Lune. Enfin, bien sûr, Bernard a écrit de nombreux ouvrages sur les fusées et sur le pilotage. Il a écrit des centaines d'articles, des années, il a eu un magazine sur France 3, et encore maintenant, il est très actif sur une télévision qui s'appelle Aerostar TV. Et comme il l'a dit, Bernard a connu beaucoup d'astronautes, en particulier Alain Bin et d'autres. Mais il n'est pas le seul. Nous avons avec nous, je suis juste l'ordre, hein, Philippe Enano-Reros, lui est journaliste scientifique, rédacteur en chef de la revue Ciel et Espace, dont le dernier numéro est incontournable sur les 50 ans d'Apollo, d'Apollo 11. Il est consultant pour de nombreux médias, France Inter, et auteur de 13 ouvrages, dont le dernier est absolument admirable. Je peux vous dire ça parce que j'en ai lu pas mal moi-même comme journaliste, et 50 ans après un événement, je ne vais pas le publiciter, je raconte vraiment ce qui est 50 ans après un événement, écrire un ouvrage alors que des centaines ont déjà été écrits, et être passionnant et à trouver à dire des choses nouvelles, c'est assez remarquable. Donc un boulot monumental, même s'il y a beaucoup d'autres livres que vous pouvez voir à l'extérieur qui sont excellents sur le programme Apollo. Donc voilà pour Philippe Enano-Reros qui va répondre bien sûr à vos questions. Et enfin, nous avons Charles Frankel à droite qui est lui un vrai scientifique. Il enseigne la planétologie, non seulement il a enseigné en France, mais aussi aux États-Unis. Il continue à enseigner à Middlebury College, dans le Vermont. Il a publié en septembre dernier aussi un ouvrage tout à fait complémentaire que vous pouvez trouver, L'aventure Apollo, Charles Frankel. Mais alors là, c'est sous l'angle un peu plus scientifique, mais lui aussi a très bien connu plusieurs astronautes d'Apollo. Et je vous rappelle que la plupart, maintenant, sont décédés. Voilà. Donc, si vous voulez, on va commencer. Je lance juste une ou deux petites questions. Et puis, la parole est tout de suite à la salle. Est-ce que vous pouvez nous dire, Charles, on va commencer par vous, Charles Frankel, quelle était votre expérience avec... comment les astronautes se sont-ils préparés, par exemple, pour faire de la géologie sur la Lune? Puisque ce qu'on a vu, même si Alan Bean... et dans la réalité, il était un homme extrêmement cultivé et un artiste, la plupart sont des pilotes d'essai. Or, des pilotes d'essai et la Lune, c'est deux mondes assez étrangers l'un à l'autre. Effectivement, il faut bien voir que ce sont des pilotes d'essai, avant tout, des techniciens, des ingénieurs, mais ils sont déjà tous sortis avec un cursus universitaire. Ce n'est pas que des pilotes militaires d'essai, c'est également, on cherchait des astronautes qui avaient fait des maîtrises en ingénierie, donc ils avaient déjà un sens d'apprendre et quand ils sont arrivés à Houston, bien sûr, ils ont pris des cours, des dizaines d'heures de cours par semaine dans des domaines aussi spécifiques que l'ingénierie et la géologie.
Et pour la géologie, pour la plupart, ils n'en avaient jamais fait. Donc, ils avaient des profs de géologie, parmi les meilleurs, qui sont venus leur enseigner. Certains ont été mes profs, d'ailleurs, Jim Head, qui était tout jeune à l'époque, il devait avoir, je ne sais pas moi, 25 ans. Gene Shoemaker, ils ont eu vraiment les meilleurs. Et certains se sont piqués au jeu, et d'autres pas. Certains, ils faisaient ça parce qu'ils savaient que pour aller sur la Lune, il valait mieux avoir des bonnes notes. Et il y en a d'autres qui sont vraiment passionnés pour ça, comme David Scott, qui a demandé du rab. Il a demandé à faire des expéditions avec ses profs dans les montagnes, etc. Très bien. J'oublie aussi de parler quand même d'un troisième ouvrage de Bernard Chabert, L'homme fusée, qui est aussi en présentation avec les autres nouveaux ouvrages relativement assez récents sur le programme Apollo. D'ailleurs, Bernard, pouvez-vous nous raconter un tout petit peu, on sent dans ce film que vous écrivez en 2000 quelque chose que vous avez vécu. Comment êtes-vous arrivé effectivement à ressortir ce côté humain et avoir accès à de véritables archives? Ce n'est pas les films qu'on voit couramment à la NASA. Bah, finalement, à l'époque des vols Apollo, le monde était assez différent de ce qu'il est aujourd'hui. En particulier, la paranoïa générale était à un niveau beaucoup plus faible. Et donc, la NASA étant une agence scientifique, finalement, eh bien, c'était ouvert. Et par exemple, j'étais à Houston pour couvrir Apollo 14, la première mission que j'avais couverte, et à la fin d'Apollo 14, le patron du service presse de la NASA nous dit, ben, s'il y en a qui veulent rester un petit peu plus longtemps, au lieu de rentrer chez vous aux quatre coins du monde, eh bien, l'équipage d'Apollo 15, Scott, Irwin et Warden, peuvent passer une journée entière avec vous dans deux jours. Et finalement, quelques volontaires sont restés, on n'était que trois, un Italien, un Américain et moi, et on avait rendez-vous à la cafétéria du centre spatial, qui à l'époque s'appelait pas Johnson, mais le Main Spacecraft Center, le centre des vols habités, et on s'est retrouvés au petit déjeuner, on mangeait nos œufs, notre bacon, avec les trois hommes de l'équipage et un gars du service presse. Et puis Scott, pendant le breakfast, dit « Bon, ben, est-ce qu'il y en a un qui pilote? Est-ce que vous pilotez ?» Et j'étais le seul à piloter dans le groupe de trois journalistes. Alors, il m'a dit « Ben non, on va aller faire du module lunaire, on va aller allunir sur la maquette en plâtre, puisqu'à l'époque, c'était pas les moyens de simulation qu'on a aujourd'hui, les images de synthèse, etc. » C'était une caméra qui était montée sur un cardan dans une pièce sombre. Par terre, il y avait une maquette en plâtre qui représentait la zone de la crevasse de l'Hadley. Et donc, pendant que les autres allaient gratter du sable gris pour s'entraîner à ramasser des échantillons à l'intérieur des combinaisons lunaires, je me suis retrouvé avec en place droite du module lunaire à essayer de le poser, ce que je n'ai jamais réussi à faire pendant 4 heures parce que c'était quand même assez bizarroïde comme comportement d'engin volant. Et voilà, c'était tout aussi simple que ça. Et puis après, avec le temps, en l'espace d'un demi-siècle, ça fait déjà quand même 50 ans, en l'espace d'un demi-siècle, les hommes sont devenus vachement compliqués. Et maintenant, à la limite, pour entrer dans le centre, on vous demande un badge, alors qu'à l'époque, on s'en foutait complètement, on rentrait en vélo, on pédalait. Il y avait même un contrôleur qui s'était fait remarquer, John Llewellyn, un contrôleur d'Apollo, qui s'était fait remarquer parce qu'il conduisait un peu trop vite sa Triumph TR-3 à l'intérieur du centre. Et donc, un beau jour, le patron de la sûreté de la NASA avait dit « John, t'as plus le droit de venir en voiture ». Il avait dit « D'accord ». Le lendemain, il était arrivé à cheval. Et il avait amarré son canasson au pied du building 30 de la salle de contrôle. Voilà, c'était un autre monde. Les temps ont totalement changé, et surtout nous étrangers, maintenant on doit être escorté, même pour aller au restaurant ou aux toilettes. Mais ça, c'est un détail de travail pour les journalistes. Philippe Hénarien-Ross, Bernard nous disait, il faisait allusion un tout petit peu, effectivement, à après Apollo 12, après Apollo 13, Apollo 14, dès que ça marche, il y a un désintérêt. Est-ce que vous nous racontez un tout petit peu au niveau de l'image, des reportages, est-ce que le fait qu'il n'y ait pas eu de direct, on aurait pu en avoir aujourd'hui, a un tout petit peu changé la perception? Est-ce qu'il y a une explication au niveau des images, au niveau des directs, de la perte d'intérêt de la part du public américain et mondial?
J'ai surtout des questions là-dessus. J'ai des hypothèses, mais je crains de ne pas avoir de réponse. D'abord, je n'ai pas vécu assez directement à ces moments-là, donc je ne peux pas en témoigner. Mais il m'apparaît une chose, c'est qu'il y a eu quand même une mission qui dépassait l'astronautique et la passion que certains pouvaient avoir pour l'exploration spatiale, c'était Apollo 11. Apollo 11, c'était autre chose qu'une mission d'astronautique. C'était un rêve millénaire qui était accompli. Du coup, on a atteint un pic d'intérêt dans le public, dans un très large public, qui dépassait tout ce qu'on avait déjà vu. Ça dépassait même les Jeux Olympiques. En 1968, il y a eu les premiers Jeux Olympiques retransmis par satellite, c'était à Mexico. Ça a dépassé cet événement-là. Donc on est dans une autre dimension avec Apollo 11, où tout un tas de publics qui ne s'intéressent pas du tout, a priori, à ça, s'y intéressent énormément parce que c'est la folie d'un rêve inaccessible que certains croyaient même impossible. Et puis on a un peu joué de malchance quand même, parce qu'avec Apollo 12, en novembre 69, 3 minutes ou quelques minutes après avoir commencé le direct sur la Lune, à l'albine qu'on a vue dans le film, malencontreusement, pointe la caméra en la déplaçant pour aller la mettre sur le trépied, il la pointe vers le soleil, et ça a grillé le détecteur. Donc plus de caméra, plus de direct. Inutile de vous dire que les chaînes américaines, à l'époque, n'allaient pas faire de la radio. La télé ne fait pas de la radio. Donc ils ont tourné le bouton et il n'y a pas eu de direct. Les médias n'ont pas retransmis en direct à ce moment-là. Et ça s'est perpétué. Alors, il y a eu Apollo 13 où tout le monde s'y intéressait. Avec l'accident, le fameux accident. L'astronaute était en danger et c'était un gros suspense. Mais les 3 dernières missions, il n'y avait quasiment pas de direct. Je crois qu'il y avait une chaîne locale à Houston qui retransmettait le direct, mais c'était en gros pour les familles des astronautes. Et donc, il y a eu effectivement un désintérêt quasi immédiat pour la suite de l'exploration. Alors, il faut dire que peut-être les astronautes à l'époque ne nous avaient pas très bien vendu la Lune. Je me rappelle les premiers qui disaient Apollo 8, la Lune c'est gris, c'est du plâtre de Paris, c'est des trous dans des trous. J'ai encore discuté avec Billander, qui était dans la mission Apollo 8, pour écrire mon livre, qui m'a raconté, vous savez, la Lune, c'est ennuyeux. Alors, ça fait quand même bizarre, le premier homme à faire le tour de la Lune, qui vous dit, la Lune, c'est ennuyeux. Et effectivement, quand ils sont apparus de l'autre côté de la Lune, et que le Capcom leur a demandé, alors, c'était comment, ben, ils ont dit ça. Donc, peut-être qu'ils ne l'avaient pas très bien vendu. Donc, Apollo 11, c'est un cas à part. Le premier pas sur la Lune, c'est le rêve millénaire, et ensuite tout le monde est rentré chez soi, on l'a déjà fait. C'était de la géologie, c'est pas faire un jour un géologue que dire que c'est une science où ça bouge pas beaucoup et que... Ça en passionne peu, c'est fondamental mais ça en passionne peu. Mais après, on peut vendre très bien la géologie, c'est très intéressant, moi ça me passionne. Mais voilà, quand vous voyez les astronautes sur la Lune, même quand la caméra de télévision était meilleure, ça bouge pas beaucoup, on voit les gars taper sur les cailloux et tout ça, et finalement il y a un désintérêt qui a été naturel. Et je me demande si un jour on retourne sur la Lune, on en parlera peut-être tout à l'heure, s'il va pas y avoir ce même phénomène, j'en sais rien. On va toucher ce sujet avec certainement la deuxième table ronde où l'aventure continue. Si vous voulez bien, on va passer aux questions à la salle tout de suite, parce que j'imagine que vous avez des questions, sinon j'en ai de nombreuses. Est-ce qu'on peut, je ne sais pas, peut-être voir un tout petit entre vous, on ne voit pas très bien la salle, donc je ne peux pas voir les personnes se déplacer. Et si on peut avoir des micros pour les questions, est-ce qu'il y en a déjà? Ou est-ce que, monsieur, est-ce qu'on peut avoir des personnes qui s'occupent des micros? On va voir s'il y a quelqu'un ou pas. Est-ce qu'il y a quelqu'un au micro ou pas? On va continuer peut-être avec des remarques. Bernard Chabert, allez-y. Oui, pour rebondir. Effectivement, sur le désintérêt, lors d'Apollo 16, par exemple, dans la salle de presse, on n'était même pas une dizaine de journalistes. Et il y avait quand même une chose, c'est que pendant que à partir d'Apollo 15, il y avait la voiture sur la Lune, et donc on avait des retransmissions d'images en direct. Et dans la salle de presse de Houston, il y avait un théâtre un peu semblable à celui-ci, avec les mêmes fauteuils rouges, mais moins nombreux. Et donc, pendant les retransmissions d'images de la Lune, les journalistes, les rares journalistes qui étaient là, prenaient leur café et leur sandwich parfois, et venaient se mettre dans la salle pour regarder les images de la Lune. Et ce qui est phénoménal, c'est les paysages lunaires. La Lune, c'est un endroit qui est différent de la Terre, évidemment. On a un peu l'impression d'être dans un monde unichrome avec 7
poussière grise qui finalement, même quand elle est légèrement colorée, comme on l'a vu sur Apollo 17, c'est des couleurs qui sont vraiment subliminales. Mais il y a des paysages différents. C'est un autre monde, c'est un monde étrange. L'horizon est beaucoup plus proche, elle est 6 fois plus petite que la Terre. Les reliefs que l'on voit arrondis relativement doux, parfois font quand même 4000 mètres hein, de hauteur. Adelaide, Mont Adelaide, à côté de la crevasse où était posé Apollo 15, c'est l'impression qu'on avait quand on avait un grand écran et les images, et que justement il ne se passait rien et qu'on regardait le décor. Ben, je sais pas, moi je connais bien la Haute-Savoie par exemple, je connais bien la vallée de Chamonix. Et ben, quand vous étiez face aux images de la caméra fixe du rover d'Apollo 15 et que vous aviez une idée de la... D'abord, vous voyez la crevasse, elle a l'air de rien sur les images. En fait, si on y met la tour Eiffel, elle ne dépasse pas les bords, puisque la crevasse fait 400 mètres de profondeur. Et le mont Adelaide, on voyait ce truc, et moi, ça me faisait l'impression d'être du côté du Fayet, à côté de Saint-Gervais, de regarder en direction du massif du Mont-Blanc, et de voir le massif du Mont-Blanc. Et là, d'un seul coup, ça prend des dimensions. Et d'ailleurs, finalement, qu'est-ce qu'on fait les uns les autres? On prend une voiture, on va se balader, on va dans les Pyrénées, on va voir des décors et des paysages. On arrête la voiture, on descend de la voiture, on regarde, on dit « c'est beau ». Et bien, sur la Lune, c'est encore plus beau. Mais il y a, je crois aussi, Philippe Anéran, je voulais lui dire, quand on est dans un monde nouveau, on n'a pas la perception terrestre, c'est-à-dire que les repères, tout change. Le cerveau humain ne traite pas l'image de la même façon. N'est-ce pas? Et je crois que vous le dites très bien dans votre livre, c'est que les astronautes ont eu des difficultés à s'adapter, malgré leur entraînement, parce que c'est un nouveau monde. Oui, les astronautes avaient des cartes qui étaient faites à partir de photos orbitales, donc sur les cartes vous avez les cratères, etc. Et ce que ces cartes ne montraient pas, c'était les petites ondulations du terrain. Alors, il y en a beaucoup sur la Lune. Et même si c'est 2-3 mètres, comme ça, à partir du moment où vous faites quelques dizaines, voire quelques centaines de mètres, par exemple, vous ne voyez plus le LEM que vous venez de quitter, et donc il est très difficile de voir le cratère suivant. Il est peut-être derrière un léger dévers, une colline, et c'est la mésaventure qui est arrivée aux deux astronautes d'Apollo 14, Alan Shepard et Edgar Mitchell, qui devaient monter sur une colline pour aller voir un cratère assez important, je crois qu'il fait 300 mètres de diamètre à peu près, peut-être même plus, peut-être 400 mètres, non, un beau cratère. Ils étaient à côté, ils sont passés à 17 mètres du bord du cratère et ils l'ont cherché, ils ne l'ont pas trouvé parce qu'en fait, tout simplement, il était en dévers de l'autre côté de la colline et ne pouvaient pas le voir. Donc, ils avaient du mal aussi à estimer les distances parce qu'il n'y a pas d'atmosphère sur la Lune. Et quand vous promenez dans les Pyrénées ou dans les Alpes et que vous voyez une montagne au premier plan et puis une autre au loin, même si l'atmosphère est très transparente, celle qui est au loin, elle a un effet de brume qui la voile un petit peu, oui. Qui vous dit à vous qu'elle est plus loin que celle qui est devant. Et puis vous avez des arbres qui sont des repères, qui sont des repères. Donc vous savez reconnaître un sapin, vous imaginez à peu près la distance, et ça vous donne une échelle sur la Lune. Il n'y a rien. Tous les cratères, qu'ils soient petits ou grands, ils ont la même tête. L'horizon est plus près, il n'y a pas d'effet de brume, donc systématiquement les astronautes ont appris à leurs dépens à explorer un monde totalement exotique, et ils ont appris à leurs dépens parce qu'ils se sont un peu perdus. Ils étaient capables de revenir à leur vaisseau, mais ils n'étaient pas à l'endroit où les géologues voulaient qu'ils soient pour aller faire certains prélèvements, et ils cherchaient, ils tâtonnaient, ils avaient pratiquement fait deux fois moins de route qu'il n'aurait dû pour aller chercher ces prélèvements-là. Et puis un monde monochrome et avec très peu d'ombre. Oui, alors en plus, quand vous... C'est en noir et blanc, hein, la Lune. Pardon ? C'est en noir et blanc, la Lune. Oui, c'est en noir et blanc. Et en plus, il y a autre chose qui arrive, c'est que quand ils étaient avec le soleil dans le dos, il faut voir qu'ils se posaient, le soleil était assez bas sur l'horizon, tout ça pour qu'on puisse voir les reliefs. Mais quand ils étaient avec le soleil dans le dos, face à eux, ça brillait beaucoup, il n'y avait pas d'ombre portée et ils n'arrivaient pas à voir les obstacles. Et ça posait par exemple des problèmes à John Young qui conduisait l'un des rovers. Vous allez nous montrer tout à l'heure, hein ? Oui, je vais vous le montrer. Quand il allait en direction opposée au soleil, eh bien, il ne savait pas s'il tombait dans des trous ou s'il y avait des bosses, et de temps en temps ils se sont fait des petites secousses. Des petites surprises. Donc il y avait une question dans la salle, excusez-nous pour les micros, merci d'intervenir là.
Allez-y. Merci, bonjour. Une question à propos de l'Apollo 11. On a maintenant une cinquantaine d'années de recul sur les missions Apollo. C'est pour cela qu'on est ici, hein, d'ailleurs. Oui. Merci. Quand on voit la rusticité des outils qu'il y avait à l'époque et les risques qui ont été pris, quel était le pourcentage de chance finalement que ça fonctionne? Ou autrement dit, est-ce que le fait qu'il y soit arrivé est miraculeux ou pas du tout? On peut penser que c'est un peu miraculeux. Ils ont eu quand même beaucoup de chance parce que, et surtout, ils ont été extrêmement performants. Tout le monde a travaillé de façon admirable. Parce que de l'avis même des ingénieurs de la NASA, pour Apollo 8 et Apollo 11, ils donnaient à leurs astronautes une chance sur deux de revenir vivants. Apollo 8. Apollo 11, c'était presque pareil. Parce que bon, c'était encore une complexité supplémentaire de faire quelque chose qu'on n'avait pas encore fait. Et les responsables de la NASA devaient dire ça aux épouses des astronautes. Pour Apollo 8, par exemple, Suzanne Dorman, en grande colère, en apprenant ce que doit faire son mari, va voir le directeur, c'était Dick Slayton, et lui demande « Combien de chances est-ce que mon mari a de revenir vivant ?» Et il lui dit « Tu veux vraiment savoir ?» Il dit « Oui, tu le sais bien. » Il dit « Une chance sur deux, ça te va ?» Et c'était cet esprit-là qu'on avait à la NASA à l'époque. Alors le fait que les 6 missions vers la Lune, les 7, 8, 9 en prenant Apollo 8, Apollo 10 et Apollo 13, que ces 9 missions qui sont élancées sur la Lune, tout le monde est revenu vivant, c'est extraordinaire. Alors je dirais presque, oui, ça tient du miracle. C'est aussi la robustesse, effectivement, d'un programme extraordinaire. Hein. 400 000 personnes travaillent sur Apollo, l'argent coule à flot grâce au président Kennedy, qui veut relever le défi face à l'Union soviétique. Donc c'est un travail colossal. Et pour les familles, c'est un très bon point, je crois. Il faut dire aussi que c'est des femmes de pilotes d'essai. Énormément de leurs amis et de leurs collègues femmes ont perdu leur mari juste à terre, parce que c'est un boulot extrêmement dangereux. Il y a une chose qu'on peut ajouter quand même. Alors, 50 ans, ça commence à donner le recul. Et au bout de 50 ans, on peut peut-être se poser la question, comme disait Charles, ça a marché. À un moment, il y avait quand même 400 000 salaires qui fonctionnaient simultanément pour faire Apollo. Et les 400 000 salaires ont finalement, chacun à sa place, chacun a fait son boulot. Et je pense qu'un certain nombre de spécialistes, on en a parlé à l'université de Princeton, qui a quelques bons spécialistes en matière de facteurs humains. Et il y a des tas de gens qui se sont demandé pourquoi ça a marché et pourquoi d'autres entreprises qui peuvent apparaître comme absolument délirantes continuent de fonctionner. Par exemple, le fonctionnement d'un porte-avions, quand un gros porte-avions qui met en l'air ses avions, les récupère de nuit, de jour, par tous les temps, etc. Et on en arrive toujours à la même conclusion. On est dans un monde qui a bifurqué, qui a divergé et qui aujourd'hui essaye de balancer la responsabilité du succès ou de l'insuccès d'une entreprise, du fonctionnement d'un système sur des mécanismes électroniques ou autres. On est en train de vouloir nous imposer des voitures qui freinent à notre place, qui changent de route sur autoroute, qui décident à notre place. Sur Apollo, avec Apollo, on a, mais c'est séraphique, on a la démonstration qu'avec, je ne dis pas trois bouts de ficelle, parce que c'était quand même de la belle ficelle, hein, c'était... Techniquement parlant, Apollo était ce qu'on pouvait faire de mieux à l'époque, mais c'était de l'horlogerie, de la bijouterie, fragile, mais il y avait des gens dedans. Et qui n'étaient pas nécessairement les meilleurs pilotes d'essai des États-Unis, il y en avait pas mal d'autres hein, là-bas qui savaient faire, et même ailleurs qu'aux États-Unis. Rappelez-vous que c'est la même année que Concorde a volé. Et Concorde, aujourd'hui, il y a des tas de gens qui n'oseraient même pas le faire. Le 747 a volé cette année-là, et l'anecdote, on en parlait tout à l'heure, comment il s'est décidé le 747 sur la poignée de main du président de Paname avec le président de Boeing, l'un disant à l'autre, si je le fais, tu me l'achètes, et l'autre qui dit, bah, si je l'achète, tu me le fais. Enfin bon, c'était une autre époque où la confiance dans l'être humain et dans ses capacités était inclus dans quelque chose qu'on appelait le respect, et pour avoir eu la chance de vivre quelques-unes des missions Apollo à Houston, je peux vous dire que c'était sur un autre domaine que technique, mais c'est dans le domaine humain,
C'était absolument jubilatoire d'être dans un endroit où vous sentiez l'intelligence humaine, le courage, et cette capacité d'aller boire une bière ensemble dans cette espèce de bouge qu'on voit dans le film, là, le saloon pourri en plus, mais d'aller boire une bière le soir en se racontant des histoires des crocs et de boulons, mais dehors, en sortant, qu'est-ce qu'il y avait accroché dans le ciel, la lune, et on se disait, ah ben machin et machin, ils sont là. Et cette confiance dans l'être humain, pour moi, 50 ans après, c'est vraiment ce que je retiens le plus d'Apollo. C'est ça, Bernard. On n'envoyait pas 100 mails, on allait boire un verre et on expliquait des choses aussi très importantes. Une autre question dans la salle ? S'il vous plaît. Oui, donc bonjour. J'avais une question à propos de est-ce qu'on pourrait faire Apollo aujourd'hui avec nos critères de sécurité ? Quand on voit, par exemple, dans le film que vous avez montré tout à l'heure, le LEM qui n'a qu'un seul moteur pour redécoller de la Lune, ça paraît totalement impossible aujourd'hui. Est-ce qu'on a vu des missions absolument magnifiques, Voyager, Cassini, la sonde qui s'est posée sur une comète, ça nous semble absolument magnifique, et en même temps, ça nous semble facile parce qu'il n'y a pas d'être humain à bord. Et on voit avec l'avitaillement aujourd'hui de l'ISS, il n'y a plus que Soyuz qui permet d'envoyer des êtres humains dans l'espace. Est-ce qu'on arrivera quand même à retourner sur la Lune ? Est-ce que finalement, ça ne sera pas un nouvel exploit ? Très, très bonne question, et je laisse Philippe Hénarios vous répondre, et peut-être raconter, je ne sais pas, l'exemple d'Apollo 11 et de l'alunissage d'Apollo 11. Oui, c'est une question difficile parce que ça demande d'explorer l'avenir. Moi, je suis journaliste, je m'occupe des faits qui ont eu lieu. Donc, j'ai un avis, évidemment, mais je ne sais pas s'il vaut grand-chose. Vous avez interviewé des dizaines, sinon des centaines d'observateurs de ce qui s'est fait. Alors, vous avez parlé avec beaucoup d'entre eux. Oui. Alors, à cette lumière-là, est-ce que Apollo serait possible aujourd'hui ? Oui, certainement, mais ça dépend de la volonté politique, d'abord, du sentiment peut-être de faire quelque chose de grand. Parce que dans les 400 000 personnes qui travaillaient sur le programme Apollo, je crois aussi qu'il y avait une dimension qui était de réaliser quelque chose de grand et que chacun à son niveau. C'était les contractants qui faisaient le tout, hein, y compris du BTP, il y avait des couturières qui faisaient les scaphandres. Aucune des personnes qui étaient impliquées voulait que ça foire à cause d'elle. Et donc, avait à cœur que le boulon qui allait être vissé là, il soit bien vissé, parce que le but était grand et c'était quelque chose d'enthousiasmant. On a peut-être ça du côté, c'est pas le même état d'esprit, mais il y a peut-être ça du côté des Chinois actuellement, du programme spatial chinois. Si vous regardez la salle de contrôle des missions lunaires chinoises, vous avez des tas d'ingénieurs qui ont au maximum 30 ans. C'est des gars qui investissent dans l'avenir aussi, peut-être. La NASA, elle est peut-être un peu vieillissante aujourd'hui, elle est peut-être un peu plus frileuse aussi, parce que effectivement il y avait cette dimension de risque, mais le risque, pourquoi ? Parce que dans ce grand objectif qui était d'aller sur la Lune, il y en avait un deuxième, c'était de battre les Russes, et là c'était une course politique et géopolitique importante, et les Américains étaient très patriotes, ils voulaient que ça réussisse, donc le risque était accepté un peu comme dans une guerre, c'était une concurrence là en l'occurrence. Donc j'ai pas la réponse à votre question, j'apporte d'autres questions, mais avec des éléments, des pistes pour y répondre. Je suis tout à fait d'accord, ça sera juste en deux mots. Je suis tout à fait d'accord avec ce que dit Philippe et moi je dirais non. On est incapable de faire Apollo aujourd'hui parce que on a la technologie, évidemment, mais il manque le goût du risque. Et il ne faut pas oublier que dans les années 60, on est dans la guerre froide. Ce sont des pilotes d'essai qui sont prêts à mourir pour leur patrie. Ils sont en guerre contre l'Union soviétique. Et ils savaient, alors quand j'ai dit que la NASA disait qu'ils avaient une chance sur deux de revenir vivant pour Apollo 8, etc., les astronautes se donnaient un peu plus de chance que ça, heureusement. Ils donnaient 2 chances sur 3 de revenir vivant, mais pas plus. Jean-Franquel, juste un mot, rajoutez un mot sur quand même les conditions d'alunissage d'Apollo 11 et est-ce qu'aujourd'hui Houston donnerait le go ? Ça m'intéresse d'avoir votre point de vue. Oh oui. Oui, de toute façon, je ne sais plus quelle est la mission,
Mais le radar est Apollo 14. Apollo 14, le commandant de bord, c'était Alan Shepard. Et Alan Shepard, c'était une bourrique, comme il y en avait peu. Il avait un ego surdimensionné. C'est assez bien montré, d'ailleurs, dans le film « L'étoffe des héros ». Le personnage de Shepard est bien vu. Et Shepard, en plus, avait perdu sa licence de pilote parce qu'il avait eu un problème d'oreille interne, syndrome de Meniere. Et pendant un temps, il avait été écarté, évidemment, même du pilotage des avions. Et il tombait dans sa salle de bain, quasiment, il n'avait plus de sens d'équilibre. Et il s'était fait opérer, il avait pris le risque de se faire opérer. Par exemple, c'était une opération, il y avait quand même un petit pourcentage de risque. Et il avait récupéré son oreille interne, son sens de l'équilibre et ses licences de pilote. Et donc, comme il était au sein de la NASA, un ourdisseur de complot de première bourre, il s'était retrouvé commandant d'Apollo 14. Et pendant la descente vers la Lune, à un moment, ils ont eu un radar qui était défaillant, qui, je crois que c'était on-off, quoi. Il tombait en panne, il revenait, tombait en panne, il revenait, tombait en panne, il revenait. Et les conditions techniques de la mission étaient que le radar était obligatoire pour poser, pour aller jusqu'au bout et poser. Et puis finalement, bon, ils sont allés jusqu'au bout, ils ont posé, puis après, au débriefing, sérieusement, on lui a dit, mais si le radar était tombé en panne, oui, il ne le saura jamais. Puis, ouais, la réponse était magnifique. Qu'est-ce que tu aurais fait? Et la question, il a répondu, tu ne sauras jamais. Bon, il est bien évident qu'ils avaient les éléments ayant... Il y a un exemple d'ailleurs un peu semblable. Le premier vol d'un Français dans l'espace, Jean-Luc Chrétien. Il est à bord d'un Soyouz, ils font rendez-vous entre les Malouines remontant à travers l'Atlantique Sud. Ils ont un rendez-vous à faire avec la station Salyut et ils ont un problème effectivement un problème de radar d'approche. Et donc pas question, normalement, d'après le manuel de mission, le Manex, pas question de tenter l'amarrage. Et donc la mission est foutue, on rentre, et puis le premier Français dans l'espace va faire une mauvaise presse. Et le commandant de bord, Vladimir Djamibekov, qui était un artiste pilote extraordinaire, Djamibekov, il a dit tant pis pour le radar, on y va comme ça. Comme il était expérimenté et qu'il savait quand même ce qu'il faisait, il a persisté, mais vraiment le cap la montre et l'instinct. Et il a réussi un amarrage où il a consommé beaucoup de carburant, mais il a réussi l'amarrage. Donc les gens de cette époque, aujourd'hui, je ne sais pas, je n'ai pas la réponse. Le sens du risque. Mais les gens de cette époque, ils étaient bons, ils étaient entraînés, ils étaient raisonnables. Et puis à un certain moment, c'est ça finalement qui détermine la première chose du métier de pilote. C'est, on a des éléments, on a des paramètres, et puis on juge à un moment. Et c'est là, encore une fois, que l'humain est prépondérant. Tant que les ordinateurs seront fabriqués par des humains, je pense qu'il faut garder ça en tête. L'humain est quand même plus fort que l'ordi. L'ordi est un outil. L'ordi est c'est une aide. C'est une prothèse qui aide à mieux faire les choses. Mais l'ordi, c'est pas un humain. Donc l'homme doit rester au centre de tout ça. D'autres questions? Comme on est dans une salle de cinéma, finalement, je vais vous poser une question à cinéma et histoire. Là, il y a quelques mois, on a eu droit au film First Man sur l'histoire, notamment le personnage de Neil Armstrong. Il y a eu différents avis sur ce film. Personnellement, ce n'est pas le côté cinématographique qui m'intéresse, mais c'est plus du coup le lien avec l'histoire. Et comme vous avez pu connaître un petit peu l'ambiance, justement, notamment vous, M. Chabert, du côté de la NASA à cette époque, dans le film, on voit un Neil Armstrong qui est finalement très, très froid. Enfin, personnellement, je l'ai trouvé assez froid. Très concentré, avec beaucoup de sang-froid, très concentré sur sa mission et en même temps tourmenté ainsi que sa femme par la mort de leur Karen, de leur fille. Voilà. Les ordinateurs ne perdent pas des enfants de 4 mois d'une tumeur au cerveau. Alors on dira ce qu'on voudra de Neil Armstrong. Le personnage n'était pas froid, il était. Non, il était au contraire plutôt. Enfin, moi je sais pas, je lui ai parlé 3-4 fois. C'était quelqu'un de réservé. Mais c'est un type avec des idées. Hein. D'abord, il prétendait dans certaines discussions, il a dit que tant qu'à parler de religion, le bouddhisme, ça lui plairait bien.
Contrairement aux autres qui étaient un peu Dieu, famille, patrie, etc., lui, il était plus réservé là-dessus. Quand il était pilote d'essai sur le X-15, il habitait dans une montagne au-dessus de la base d'Edwards, pas loin, et il avait hérité d'une bagnole qui était un clou absolument épouvantable, dont le démarreur est resté en panne pendant un an et demi. Donc tous les soirs, quand il rentrait à la maison, venant de piloter les avions les plus rapides du monde de l'époque, tous les soirs, il garait la voiture dans la descente, parce que pour la mettre en route, le lendemain matin, il montait dedans, il enlevait le frein à main, il mettait en seconde et puis il embrayait. Ça, c'était Neil Armstrong. Quand il était, on en parlait tout à l'heure, quand on lui disait « Vous faites du sport, Neil ?» il prétendait, Charles a raconté ça. Enfin, moi, en tout cas, on disait à Houston, quand j'y étais, que le seul astronaute qui prenait l'ascenseur pour monter au troisième étage du building où il y avait le bureau des astronautes, c'était lui. Les autres, ils montaient à pied, tout biceps gonflé, tout ça. Mais Charles a une histoire sur la conception de la vie et du nombre de battements. Oui, Armstrong disait... j'ai un certain nombre de battements de cœur dans ma vie, je ne vais pas les gaspiller. Donc, pas de faire de sport, c'est idiot d'accélérer son rythme cardiaque et d'en gaspiller trop. Donc, c'est quelqu'un, oui, j'ai pas trop aimé effectivement le portrait un peu caricatural qui en a été fait, ne parlant même pas d'Aldrin, dont la caricature est complètement exagérée, d'un connard, excusez le terme. Terme technique. C'était des personnages beaucoup plus intéressants et complexes, avec beaucoup plus de facettes que l'a montré le film de Chazelle, et c'est un peu dommage. Et Armstrong, effectivement, quelqu'un de très réservé, mais hyper intéressant, qui peut avoir une conversation, vous brancher sur quelque chose. Moi, je n'ai pas eu cette chance, je ne l'ai pas connu. Je l'ai côtoyé de temps en temps, mais je ne l'ai pas connu. Mais j'ai entendu dire que quand on le lançait dans une conversation, alors là, il avait vraiment beaucoup de profondeur. Et puis, c'était quelqu'un qui était capable de bien s'amuser, de faire la fête comme tout le monde, de jouer du piano. Donc, il admet, il gardait les distances. C'était un Écossais de souche et il avait une certaine réserve. Un astronaute qui a refusé d'ailleurs toutes les interviews. Moi je suis le rookie, là, j'ai encore moins connu que vous, Armstrong. Mais. Il y a juste une chose, c'est que un mois avant qu'il parte pour Apollo 11, il a été interviewé par Time Magazine. On lui a demandé même de produire un petit texte dans lequel il raconterait que signifie pour vous le fait d'aller sur la Lune. Et il faut relire ce texte parce que franchement, il est d'une profondeur et d'une vision extraordinaire pour l'époque. Il commence à dire, quand vous allez vers la Lune, il n'y avait pas été, il avait déjà été dans l'espace, mais quand vous allez vers la Lune, ce que vous voyez, c'est quelque chose de très fin qui enveloppe la Terre, c'est l'atmosphère. C'est fou de se dire que notre vie tient à cette chose qui est pratiquement impossible à voir. Et vraiment, il avait un regard étonnant. J'essaierai de publier ce texte dans Sirius Espace, de le retrouver, parce que 50 ans plus tard, on se rend compte que Armstrong, qu'on voit dans son film comme quelqu'un de robotisé, plutôt déprimé quand même, autiste, incapable, c'était pas quand même le cas. Il était réservé, c'est sûr, il n'avait peut-être pas un ego surdimensionné, mais par contre, il avait une profondeur et une capacité de réflexion et une intelligence tout simplement hors du commun. Bernard Chabert voulait rajouter. Oui, il me revient un truc, quelques années après Apollo, le musée de l'air et de l'espace de Washington a eu l'idée de faire un petit bouquin d'interviewer les 50 plus grandes personnalités de l'aviation mondiale et américaine, évidemment, et de leur demander leur recette de cuisine préférée. Alors, il y en a qui sont allés sur le chili con carne avec les piments machin, etc., les huîtres farcies. Et quand on a posé la question à Armstrong, il a donné la recette des enfants dans le champ. Et de mémoire, je vous la cite rapidement. Il dit, vous prenez un grand champ avec de l'herbe verte, avec un petit ruisseau qui coule en faisant un joli bruit. Vous répandez les enfants dans le champ, vous saupoudrez de soleil avec une légère brise, vous laissez touiller le tout au soleil pendant un moment et quand ils sont un peu bronzés, vous les sortez et vous les mettez dans la douche. Voilà la recette de cuisine donnée par Neil Armstrong. Donc quand ça vous dit ça, ben, finalement vous dites que Chazelle avec First Man, il n'a peut-être pas lu le bouquin du Smithsonian sur les recettes de cuisine des personnalités de l'air de l'espace. Ça ne manque pas de poésie, ça c'est sûr. D'autres questions dans la salle ?
Au fond, s'il vous plaît, il y a un bras levé. Quelle impression de piloter un LEM, de se poser sur la Lune, même si c'est qu'une maquette? Dave Scott m'avait dit, tu vas voir, c'est un peu comme conduire un camion semi-remorque sur une route verglacée, non pas sur une route verglacée, sur la surface d'un lac gelé. En réalité, le LEM était... c'était un engin qui était semi-piloté à la main, parce que la conduite moteur, c'est comme un hélicoptère finalement, sauf qu'au lieu d'avoir un rotor, on est posé sur un jet de gaz qui permet de piloter le taux de descente et d'arriver au ras du sol avec un véhicule immobile. La conduite moteur était automatique, voire semi-automatique. Elle était pilotée à travers une commande qui est à main gauche et qui permettait d'augmenter ou diminuer la poussée par incrément de 10% à peu près. Enfin bon, ça c'était accessible, les dosages, on va dire, de poussée moteur étaient accessibles par l'intermédiaire d'un menu qui permettait d'augmenter ou diminuer la puissance, la poussée de chaque clic sur cette commande. Et puis à droite, c'était le plus intéressant, à droite il y avait la commande d'attitude, qui était une crosse, genre crosse de jeu vidéo, et qui permettait de piquer, cabrer, incliner à droite, incliner à gauche. Et en fait, en gros, le pilotage était plutôt d'essayer de garder... Le problème était le carburant, et pas le fait qu'il y avait du carburant, mais qu'il y avait une absence de carburant, parce que pratiquement tous les alunissages se sont produits... En aviation, en rigolant, on appellerait ça sur les vapeurs. C'est-à-dire qu'il ne restait pas grand-chose dans les réservoirs au moment où il touchait. Et donc il y avait une courbe idéale, mathématique, puisqu'on est dans l'espace. Il n'y a pas d'atmosphère, il n'y a pas de traînée atmosphérique qui varie en fonction de l'aérologie, comme en avion, etc. Donc on est presque dans de la théorie pure. Et donc de la chute libre. Et c'est une chute libre contrôlée, on sait que le moteur pousse tant. On sait que la masse du véhicule diminue à chaque seconde de tant de kilos, puisque les carburants sont brûlés et donc ils s'allègent. Donc on sait que la réaction du véhicule, vu égard à la position de son centre de poussée, son centre de gravité, tout ça, ça fait finalement un engin qui est plutôt... quand on est habitué à piloter un avion, on est paumé. On est vraiment paumé. Même si on a fait un peu d'hélicoptère, on se dit, comme j'ai fait de l'hélico, je vais y arriver. Non, on n'y arrive pas parce qu'il y a ce qui prédomine, c'est cette chute libre. C'est cet objet qui tombe quasiment en chute libre vers la Lune et dont la descente, la chute, est plus ou moins ralentie par la poussée du moteur et par évidemment l'inclinaison qu'on donne par la main droite. Truc à rajouter par rapport à la simulation, qu'on peut pas voir en simulation, c'est le fait qu'on est en 1/6 de G, donc on est très léger. Mais voilà, ce qui fait que en fait, vous sentez mal la verticale. Donc pour l'orientation, vous savez pas si vous êtes beaucoup moins, si vous êtes penché ou pas, parce que vous la sentez beaucoup moins. Et en plus, il y a le fait que le LEM étant un véhicule ultra léger, il y a même pas de siège pour faire plus léger. Par exemple, les réservoirs de l'étage de descente sont effectivement bafflés, comme on dit. Enfin, il y a des trucs anti-ballottement des carburants, mais beaucoup moins qu'on pourrait le faire sur un avion, un truc comme ça, ce qui fait qu'on le voit souvent sur les films d'ailleurs, on voit toujours cette espèce de mouvement qui est amplifié par le fait que les fluides à l'intérieur des réservoirs ballottent également. Donc on a un truc, c'est léger, c'est pas une plume dans le vent, mais c'est parce qu'il n'y a pas de vent, mais c'est quand même quelque chose d'extrêmement léger, qui change de poids, de masse par conséquent, d'une manière très rapide au fur et à mesure de la descente, parce qu'il s'allège de ses carburants, donc son comportement change, le changement de comportement n'est pas compensé par le système de commande de vol, puisque c'est pas un fly-by-wire comme on a sur les avions modernes, c'est un système, c'est très rustique, c'est très basique. Et c'est pour ça qu'en gros, pour arriver à commencer à piloter un LEM à peu près proprement, avait dit Scott,
il fallait passer 240 heures à peu près au simulateur et il fallait faire quand même une bonne quarantaine de vols sur cette espèce de truc terrifiant qui était le liquage volant, qui était une espèce de structure en tube avec un réacteur de sustentation, des moteurs d'attitude, et dont Armstrong s'est éjecté quelques très peu de temps, 2 semaines, 3 semaines. Peu de temps avant Apollo 11. Le LEM, c'était vraiment... Ben, c'est encore une fois la démonstration qu'en automatique, ça aurait foiré à tous les coups. À tous les coups, ça aurait foiré. Peut-être pas aujourd'hui, parce que l'informatique aujourd'hui est tellement plus puissante. Oui, ça me fait penser au module lunaire chinois qui s'est posé Chang'e 4 et Chang'e 3 avant. Si vous regardez les séquences d'atterrissage, il y avait un Armstrong à la place, c'était des caméras qui enregistraient et des radars qui enregistraient toutes les données. Et il y avait un ordinateur de bord qui comprenait ce qui se passait, qui regardait s'il y avait des cratères ou des cailloux et qui gérait la descente. Donc ça, aujourd'hui, c'est possible. Il y a une machine qui... C'était extraordinaire de voir l'atterrissage de ces sondes chinoises parce qu'on avait l'impression qu'il y avait un pilote à bord et c'était un pilote robotisé. Avec des moyens informatiques, absolument. Ben, c'est là qu'il y a le progrès aujourd'hui, parce qu'après tout, rappelez-vous qu'un Airbus 380, ça se pose tout seul, même avec 35 nœuds de vent de travers, de la turbulence, etc. Néanmoins, il y a quand même un équipage pour être capable de reprendre la main le cas, parce qu'on ne sait jamais. Avant une autre question, j'aimerais poser une question à Philippe Hénaréros. Quand on a du recul, comme vous l'avez fait avec votre énorme travail sur le livre, quelle était la place vraiment de l'exploration dans Apollo 11? Est-ce qu'il y avait encore de la place pour l'exploration ou on est juste dans une mission de défi, de relever un défi face à l'Union soviétique à l'époque? Clairement, Apollo 11, ce n'est pas une mission d'exploration. Les gens que j'ai pu questionner, qui travaillaient sur cette mission-là, me l'ont confirmé. Certes, il y avait 2 petites expériences, il y avait un sismomètre et un réflecteur laser, il y avait aussi ce qu'on appelait le drapeau suisse, la feuille d'aluminium pour le vent solaire. Donc il y avait quelques expériences scientifiques. Expliquez-nous pour vous disiez, pour récupérer ce... En fait, c'était une feuille d'aluminium qu'on exposait pendant la sortie sur la Lune, qui ressemblait à un drapeau, et qui captait les protons émis par le Soleil en permanence, ce qu'on appelle le vent solaire, ce sont des particules accélérées et chargées. Et à la fin, on enroulait la feuille d'aluminium, on la ramenait, et après c'était expertisé pour savoir quel était le flux de vent solaire sur la Lune. Donc il y avait quelques expériences scientifiques, il y avait évidemment au menu de la collecte de roches, qui était la tâche de Neil Armstrong, plus que celle d'Aldrin. Aldrin, il devait apprendre à marcher, hein, il était là pour ça. Mais Apollo 11, le point central de la mission, c'était se poser sur la Lune. C'était même pas marcher sur la Lune. Quand on demandait plus tard à Armstrong qu'est-ce qui était le plus difficile, c'était de se poser sur la Lune. Et donc la NASA voulait quand même tester son vaisseau, le LEM. On n'avait pas trop confiance encore à l'époque de ce vaisseau-là. Savoir s'il allait se poser correctement, s'il allait être capable de remonter. La première chose que les astronautes font une fois qu'ils sont posés, c'est de tout reconfigurer pour pouvoir repartir immédiatement en cas de fuite ou de problème pour pouvoir se sauver. Donc on est très précautionneux. On limite la sortie en scaphandre à 2 heures, 2 heures et demie, au lieu de 4, qui est l'autonomie des bouteilles d'oxygène, parce qu'on veut avoir de la marge en cas de problème. Donc c'est une mission technologique où on essaye d'apprendre pour la suite. Et l'exploration, elle n'existe quasiment pas. Quand vous voyez les images d'Armstrong qui fait le premier pas, ensuite, qu'est-ce qu'il fait? Il piétine sur place, il recule même. On ne voit pas Armstrong descendre de l'échelle, et puis comme on pourrait l'imaginer sur la vignette qu'on voit on a marché sur la Lune et le Tintin, partir vers les grands espaces. Non, il avance pas, il recule, il piétine sur place. Aldrin aussi, ils doivent rester dans le champ de la caméra. L'exploration dans l'Apollo 11 se limite à 3 minutes sur les 2 heures et quelques que les astronautes passent sur la Lune. C'est à la fin, il reste 10 minutes de sortie, on leur dit bien, vous allez rentrer. Aldrin est en train d'envelopper les échantillons pour les ramener. Et Armstrong est au fond, on le voit passer, traverser le champ de la caméra, il passe derrière le LEM, il court à 3 km à l'heure et demie, parce qu'il y a un scaphandre quand même assez rigide,
Et il décide d'aller voir un cratère qui est à 60 mètres de là, le fameux cratère qu'il a survolé au moment de se poser parce qu'il était rempli de rochers, parce qu'il se dit, des échantillons, j'en ai ramassé assez. Mais par contre, si je peux faire une photo ou deux d'un cratère, qui, comme le sait tout bon géologue, est un forage naturel qui peut éventuellement excaver des strates qui peuvent intéresser les scientifiques. Donc Armstrong prend cette initiative, il dit « je vais documenter l'endroit ». Il prend deux, trois photos du cratère, il prend aussi des photos du site et il revient. Et ça nous prend 3 minutes. Et c'est la seule exploration. Secrètement, personne ne sait. Vous savez, l'attention... C'est après. L'attention du public et même du Capcom et de tout le monde, à ce moment-là de la mission, je pense qu'elle est beaucoup retombée. On a beaucoup regardé le premier pas, le drapeau, le discours de Nixon, le coup de téléphone. Là, ça fait 2 heures qu'ils y sont. Je pense qu'il y a pas mal de gens qui boivent du champagne. Et donc, lui, il part discrètement. Il dit rien à personne. Et puis, il va explorer, en fait. Et il fait un petit axe d'exploration. Ça rejoint ce que je disais tout à l'heure. Armstrong était quelqu'un de très intelligent, qui savait utiliser le temps au mieux et qui était capable de prendre les meilleures initiatives dans le temps réduit qu'il avait. Il faut savoir que sa mission sur la Lune de 2h30, elle a été polluée par tout un tas de choses qui étaient le drapeau, le coup de fil de Nixon, des choses symboliques, des déclarations, il devait décrire ce qu'il voyait, etc. Et donc l'exploration, c'est Armstrong qui l'a menée à la fin, à la toute fin, juste avant de réembarquer. Jean-Franck, vous pouvez juste sur cette thématique nous dire, vous, effectivement, le bilan en tant que planétologue et géologue, c'est que quand même, le programme Apollo, c'est-à-dire donc l'ensemble des missions, qu'est-ce que ça nous a appris sur la Lune? Est-ce que c'est effectivement un tournant? Ah oui, au point de vue géologique, ce qu'on a pu comprendre en seulement quelques dizaines d'heures au total d'exploration passées par des astronautes qui n'ont rapporté que 380 kg, c'est extraordinaire. On a découvert d'où venait la Lune, c'est quand même incroyable en si peu de temps de découvrir comment s'est formée une autre planète, et ce n'était pas du tout ce qu'on attendait au départ. Au départ, on avait 2-3 théories, elles sont toutes fausses. Dès qu'on a rapporté des échantillons, c'est de retrouver des géologues devant un puzzle qu'ils ont résolu, et on a compris que la Lune est née d'une collision d'une mini-planète avec la Terre au début de sa création. Un scénario dantesque. Imaginez 2 œufs que vous fracassez ensemble dans votre cuisine. Je vous conseille de faire l'expérience. Avec les 2 jaunes d'œufs qui s'amalgament, d'albumine plein les murs de votre cuisine, hein, votre époux ou votre épouse qui vous crie après. Voilà, faites l'expérience. C'est comme ça que s'est formé le couple Terre-Lune. Et ça, on ne l'aurait jamais deviné avant. Sans compter l'importance de justement tous ces impacts, ça c'est l'impact le plus extraordinaire qui ait jamais eu lieu dans notre système solaire, puisqu'on en a été la cible. Mais après coup, on a eu des petits astéroïdes qui ont continué de se fracasser, y compris celui qui a exterminé les dinosaures. Et comme vous savez, très longtemps, on a dit « mais non, c'est des éruptions volcaniques, etc. » Une des grandes choses qu'on a appris des vols Apollo, c'est que les impacts ont eu une importance énorme au début de notre histoire, et même maintenant. Une question, si vous voulez. Oui, j'ai une question, là, pour moi. Allez-y. Le fait que la face cachée de la Lune, celle qu'on ne voit jamais depuis la Terre, puisque la Lune est toujours, nous présente toujours le même visage, elle est beaucoup plus martyrisée par des impacts, et donc quelque part elle nous sert de protection ou quoi ? C'est une illusion. Le fait, alors, si vous n'êtes pas encore allé au Parc de l'Ingénieur voir la superbe Lune suspendue, cette œuvre d'artiste, il faut absolument y aller. Une vraie Lune, quasiment. Ah, pour bien comprendre la Lune, allez voir cette œuvre d'art, cette maquette hyper réaliste, puisqu'elle est faite après les photos. Et vous verrez en tournant autour, le côté qui fait face à l'entrée du parc, c'est la face visible. Et si vous la contournez de l'autre côté, vous verrez la face cachée, qui n'y ressemble effectivement pas, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de cratères, puis vous ne voyez pas ces belles taches noires de la face visible. L'homme dans la Lune, le visage dans la Lune. Et en fait, qu'on appelle des mers, parce que c'est ça, c'est les fameuses mers. Oui, ce qu'on appelle les mers. Les mers, ce sont des grands champs de lave. Et en fait, la Lune a été martyrisée par les impacts de tous les côtés, et donc devait montrer le même aspect avant que les mers montent. Et les mers de lave sont montées lorsque, alors pour une raison qu'on ne comprend pas trop, il y a eu une concentration d'uranium et d'éléments radioactifs sous la face visible.
visible, la face vers nous, qui a fait fondre le manteau des centaines de millions d'années après les grands bombardements qui ont façonné ces cicatrices, et de la lave est montée, s'épanchée et rentrée et lissée des bassins et noyée des cratères qu'on ne voit plus. Et donc la face visible a pris un autre aspect, plus jeune, plus lisse que l'autre côté. Mais au départ, ils ont tous été bombardés pareil. Une question à la salle ? Oui, deux petites questions. Bernard, tu nous as dit que le LEM était léger. En gros, ça représente combien ? Quel poids, je veux dire ? Deuxième question, au niveau du pilotage, c'est la question à 100 balles. Au niveau du pilotage, j'ai compris qu'il pouvait gérer le taux de descente, on va dire. Est-ce qu'il pouvait gérer également des placements longitudinal et latéral de façon à choisir en finale le point d'atterrissage? Il pouvait tout passer en automatisme. Bon, c'était un automatisme réactualisé en permanence par l'équipage. Par exemple, la tenue gyroscopique, les trois axes, on va dire, pouvait être gérée en automatique. Mais en courte finale, à partir du moment, on l'a vu avec Armstrong d'ailleurs, quand il s'est retrouvé près du sol, et que finalement le décor ne ressemblait pas tellement à de la théorie, qu'il y avait des vrais cailloux, et que je rappelle que le LEM se posait à la verticale, mais que l'idée était d'arriver à ce qu'ils appelaient entre eux all balls, c'est-à-dire tout à zéro, c'est-à-dire qu'on est à peu près à 3-4 mètres d'altitude, le bas des pieds du LEM est à peu près à 3-4 mètres d'altitude, et on est à zéro partout, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de dérive, il n'y a plus de déplacement, on est stationnaire, comme on dirait en hélicoptère. Et à ce moment-là, on laisse un peu descendre, il y a une tige qui pend sous un des pieds, un témoin de contact, qui, dès qu'il touche la surface, envoie une lampe, et dès que la lampe arrive, on coupe le moteur. On coupe le moteur, donc on descend sous un sixième de G, c'est-à-dire pas trop vite, on descend en chute libre sur à peu près 1,50 m ou 2 mètres de haut, 1,30 m. Et donc, il faut que ça descende un peu ferme. Pourquoi ? Pour pouvoir écraser les amortisseurs en nid d'abeille qui sont à l'intérieur des quatre tubes du train d'atterrissage, de manière à donner au LEM une assise stable au sol. Donc, d'une certaine manière, il faut faire un peu un boom quand on pose. Il faut que ce soit effectivement un atterrissage ressenti. Le truc, c'est qu'Apollo 11, ils se sont posés super doux. Ils ont quasiment jamais senti le poser. Et vous avez vu tout à l'heure les images d'Apollo 12. Ben, le poser, on ne le voit pas à l'image. Mais on s'est passé des centaines de fois ce truc. Il y a la poussière qui remonte, mais on ne voit pas un à-coup. On ne voit pas un choc. Et les astronautes, entre eux, disent que celui qui a réussi le plus beau posé de tous, c'est John Young, qui, lui, on le voit dans le film, il arrive, il est à 3 mètres du sol, et il se paye pour un pilote l'équivalent d'un vrai kiss landing, c'est-à-dire qu'il s'arrête. Et on sent pendant une seconde et demie, le type, il est là, il est dans son truc, il a les commandes en main, c'est lui qui gère la trajectoire, qu'il a amené ça impeccablement, qu'il n'y a aucune dérive, il n'y a rien, et qui dit « j'y suis, et maintenant j'y reste ». Et pof, il appuie sur le truc et pouf, il descend. Donc, le pilotage du LEM à leur niveau, c'était du pilotage semblable à celui d'un avion, hein, avec des commandes différentes et des comportements différents. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, il fallait des mois d'entraînement pour arriver à comprendre à peu près comment fonctionnait ce truc qui donnait l'impression de partir dans tous les sens et qu'il était très difficile de rattraper une fois qu'il était parti. Et quant au taux de descente, donc la gestion automatique du taux de descente, elle était pilotée par le radar d'alunissage, ce qui sur Apollo 11 a posé quand même quelques soucis puisqu'il y a eu des alarmes qui étaient liées au radar d'alunissage. Oui, la masse aussi, 14 tonnes en charge. Et alors, 14 tonnes, ce qui était au sommet du module de commande, c'est-à-dire l'étage de remontée, la cabine, hein, avec les deux yeux et les joues, l'étage de descente, qui est la boîte cubique camouflée derrière le Millard avec les quatre pattes du train d'atterrissage, et l'échelle, d'ailleurs, qui était fixée à l'étage de descente.
Et puis le moteur de descente unique avec une cloche et ses réservoirs, évidemment, son alimentation. Et il y a dans l'étage de remontée que dans le film on voit repartir, et on le voit d'ailleurs partir en se disant, ben là pareil, il y a un moteur que les gens de la NASA disaient qu'ils avaient fait tellement simple qu'ils ignoraient même le nom, le mot panne, qu'il fallait que ça soit simple. Et donc le total faisait 14 tonnes, mais dès qu'on commençait la descente propulsée, la masse, elle s'effondrait rapidement. Bernard, effectivement, on n'a pas répondu précisément à cette question qui est de la salle, c'est effectivement la simplicité du moteur de remontée. Est-ce que vous pouvez commenter là? C'est assez important, je crois, par rapport à l'astronautique d'aujourd'hui aussi. Oui, alors en fait, la simplicité, il fallait que ce soit un moteur sans panne, donc avec le moins d'éléments qui pouvaient tomber en panne. En particulier, pas de pompe. Pas de pompe. On met de la... pour pas qu'il, voilà, on met des ballons d'hélium qui mettent le propergol sous pression pour qu'ils descendent dans les canalisations. Donc il y a simplement une vanne à ouvrir, c'est un truc mécanique. Vous pouvez même pratiquement y aller avec une ficelle si jamais il y avait un pépin. Et dès que les deux ergols se touchent, c'est ce qu'on appelle des hypergols, c'était l'équivalent d'acide nitrique et d'une térébenthine, hein, du UDMH, térébenthine améliorée, et ce sont deux ergols qui chimiquement, dès qu'ils se touchent, s'enflamment, n'avaient pas besoin d'un allumeur. Donc c'était d'une simplicité, ça ne pouvait pas échouer. Mais c'était d'une sophistication incroyable parce que c'était le premier moteur fusée qui était, dont la poussée était modulable, comme tu disais, Bernard. Il pouvait augmenter, diminuer la pression de 10, 20, 30, 40%. Et donc ça, c'était une sophistication géniale. Et donc simplicité et esprit génial. Charles, juste un mot sur ça, ou l'un de vous, est-ce qu'on ne retrouve pas cette simplicité aujourd'hui dans les moteurs du Falcon de SpaceX? Parce qu'il faut parler aussi d'aujourd'hui, et il y a des leçons du passé, hein, ça. Alors, le Falcon, oui, alors SpaceX, bon, très rapidement, c'est Elon Musk, sa fusée, etc. Et au lieu de faire des moteurs très compliqués comme ceux de la navette spatiale à hydrogène ou de la future fusée de la NASA SLS, qui est dérivée de la navette, avec des moteurs à hydrogène vachement compliqués, state of the art, vachement, SpaceX a misé simplement sur le kérosène, voilà, et l'oxygène. Il est revenu à des moteurs simples, pas coûteux, et techniquement, voilà, on ne va pas inventer la pluie. Mais il y a mieux. Ce que SpaceX fait maintenant, c'est le Raptor de son prochain vaisseau qui marche au méthane. Alors là, c'est encore moins performant. Alors on va dans le sens contraire de tout ce qu'on a fait en astronautique. C'est-à-dire de faire des choses de plus en plus sophistiquées avec une poussée, ce qu'on appelle l'impulsion spécifique pour un moteur fusée, de plus en plus performant. Là, on va dans l'autre sens pour des raisons pratiques, économiques, et le mot de la fin pour... en tout cas ce qui me concerne, pour aller sur Mars. Parce que le méthane, on peut le fabriquer sur Mars pour le vol retour. Bravo, merci. Juste un complément pour monsieur qui a posé la question. Est-ce qu'il pilotait à une altitude et tout ça? Vous avez vu le film tout à l'heure, la séquence d'atterrissage d'Apollo 12. À la fin, Pete Conrad fait le tour d'un cratère comme ça. Le cratère où s'est posée la sonde surveilleur, il est dans l'ombre à ce moment-là. Il pourrait se poser sur la sonde, qu'on voit un peu dépasser au soleil, mais comme c'est dans l'ombre, il ne va pas se poser dans un endroit tout noir. Il décide de passer au bord nord du cratère, de le longer et de se remettre dans le bon sens, à l'orientation vers l'ouest, à la fin. Donc il avait toute maîtrise de ça, effectivement. Alors pour la simplicité du moteur, le coût des ballons d'hélium qui poussaient les carburants, c'était bien, mais il y a eu des problèmes sur Apollo 16, par exemple. Cette gestion-là, il y avait tout un tas de systèmes redondants de vannes, parce que les vannes pouvaient tomber en panne, donc ils avaient multiplié les vannes sur des vannes sur des vannes, et sur Apollo 16, a failli ne pas pouvoir se poser, parce que la pression des réservoirs d'hélium qui servaient à pressuriser les carburants continuait à augmenter, il y avait une fuite. Donc ils ont dérivé une partie de l'hélium dans un autre réservoir, etc. Donc c'était quand même simple mais complexe. Pour comprendre notre question, Philippe Hénarez, vous voulez nous montrer, vous avez de très belles images d'une balade lunaire, il ne faut pas l'oublier parce que ça fait bien rêver. Est-ce qu'il y a une question dans la salle? Peut-être pas de... Oui, une question? Oui.
Il nous reste plus qu'une dizaine de minutes, donc profitez d'avoir. Je voulais savoir, parce que j'entends parler aussi des réacteurs à plasma, et je ne sais pas si c'est pareil que les réacteurs à méthane. Non. Et alors c'est le moteur ionique, hein, je pense auquel vous pensez. En fait, non, c'est un moteur à très faible poussée, mais à très très bonne impulsion. C'est, pour faire gros, pour faire simple, c'est un moteur qui ne pousse pas beaucoup, mais qui peut pousser sur le long terme. Vous n'avez pas besoin de beaucoup de poids par gramme. En l'occurrence, c'est un gaz neutre, du xénon très lourd, et il est accéléré électriquement, et il part avec un champ électrique, et champ magnétique électrique. Et il donne une très faible poussée, très faible. On n'arrive pas à faire des gros moteurs pour le moment, ioniques. Mais vous n'avez besoin d'emporter que quelques kilogrammes de propergol pour, au final, atteindre la vitesse que vous voulez, mais ça va vous prendre très longtemps. C'est comme si vous pédalez très lentement jusqu'à atteindre 7000 km/h. Ça va vous prendre du temps. Pour des distances plus éloignées que la Lune. Oui, c'est pour des distances quand vous avez tout le temps que vous voulez, c'est-à-dire quand il n'y a personne à bord. Voilà, fond d'équipage. Une petite banane lunaire pour prendre du plaisir. Voilà, cette séquence, vous l'avez vu tout à l'heure dans le film, mais elle a été retravaillée par des amateurs qui sont passionnés. Et vous voyez que le cadre bouge tout autour, elle est déstabilisée artificiellement, donc elle est plus fluide. C'est une séquence qui a été tournée lors de la mission Apollo 16, c'est Charlie Duke qui tient la caméra, John Moon qui roule, Charlie Duke sous les encouragements de Duke qui lui dit « Allez, mets les gaz !» Et Young, qui est quand même plus posé, refuse d'aller trop vite, mais là, donc, il va à 10 km à l'heure. Et vous voyez qu'à 10 km à l'heure, sur un sol cabossé avec une gravité réduite, ça fait déjà des beaux dérapages contrôlés, plus ou moins. Et cette séquence, c'était pas pour faire du tourisme, c'était pour les ingénieurs, parce que lors de la mission Apollo 15, la caméra 16 mm, qui était censée montrer aux ingénieurs comment se comportait le rover sur la Lune, n'avait pas fonctionné. Et donc on a redemandé aux astronautes d'Apollo 16 de filmer ça. Et là c'est pareil, vous savez, c'est la caméra embarquée, la 16 mm, mais comme c'est chaotique, ça bougeait beaucoup, et là ça a été aussi stabilisé artificiellement après coup par des passionnés. Et du coup on a quand même cette impression de fluidité meilleure que sur les images originelles. Bon, c'est juste anecdotique, mais je voulais vous montrer ces images qui nous rappellent un petit peu ce qu'on peut voir dans les courses Formule 1 avec les caméras embarquées, mais là, sauf que là, c'est sur la Lune, et accessoirement, c'est la seule voiture qui a vraiment fonctionné dans l'espace, celle d'Elon Musk, elle, ne fonctionne pas. Superbes images. Juste un mot qui nous intrigue, c'est comment ont été choisis les sites lunaires, y compris Apollo 11, et pourquoi a-t-on raté, on parle maintenant bien d'eau sur la Lune, au moins au pôle Sud. Qu'est-ce qui fait qu'on n'est pas allé voir un peu partout et qu'on a raté l'eau? On ne pouvait pas pour des raisons déjà de trajectoire. Tout était en fil tendu sur les vols Apollo. Il fallait dépenser le moins de carburant possible. En particulier, il fallait arriver, vous arriviez dans le plan de l'équateur lunaire. Donc vous vous mettiez en orbite dans le plan de l'équateur lunaire. Vous ne pouviez pas monter en latitude. Et tous les sites d'alunissage, vous allez voir, ils sont tous le long de l'équateur. Et donc le pôle, non, on ne pouvait pas l'explorer. Ouais, le dernier, oui, bon, 17, non, mais on est vraiment dans une bande très proche de l'équateur. Et à l'époque, on ne savait pas encore qu'il y avait possiblement quelques pourcents ou 1% ou moins d'eau dans le sol de certains cratères éternellement à l'ombre aux deux pôles. C'est une surprise pour les paléontologues? Oui, c'est une grosse surprise. Je suis toujours pas convaincu moi-même. J'attends vraiment qu'on m'en rapporte. Mais ce sont des éco-radars et également le spectromètre à neutrons embarqués sur des satellites artificiels, enfin satellites, je veux dire non pilotés, des sondes par la suite, qui se sont mis en orbite justement lunaire, passant par les pôles pour pouvoir voir les pôles. Et maintenant, on attend d'aller prendre un échantillon dans un de ces cratères, voir combien d'eau, de la glace, hein, il y a. Question dans la salle. Pour l'eau sur la Lune, je rappelle que Tintin on l'a trouvé. Je rappelle que Tintin on l'a trouvé dans une caverne. Oui, Tintin, oui.
Question, à ça je ne vois pas dans l'obscurité. Vous pouvez nous dire, Philippe Henneros, quand vous avez fait toute cette étude-là, est-ce qu'il y a eu des erreurs commises dans les missions Apollo? Et effectivement, quand on regarde l'ensemble des missions, est-ce qu'on va très vite faire quand même une véritable exploration? Est-ce qu'on fait beaucoup de progrès entre Apollo 11 et Apollo 17? Oui, on fait énormément de progrès, mais on fait souvent des progrès en se trompant, vous savez. Quand on réussit tout, on questionne assez peu finalement ce qu'on a fait. La victoire incite peu à l'introspection et à l'étude de pourquoi ça a marché. Mais quand ça a marché, c'est tout, c'est normal. Quand ça a échoué ou que quelque chose n'a pas bien marché, par contre, on le questionne pour l'améliorer. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Laurent, je parlais tout à l'heure de la difficulté à se repérer sur la Lune. Ça, c'était la grande leçon d'Apollo 14. Mais il y a eu une autre leçon dans Apollo 14, c'est que, par exemple, les deux astronautes devaient aller voir un cratère qui se trouvait à 1,5 km du LEM. Ils étaient à pied à l'époque. Et donc, ils avaient leurs 4 heures ou 4 heures et demie d'oxygène disponible. Et sur le chemin, il y avait des arrêts prévus par les scientifiques avant d'arriver à l'objectif principal. Et bien ça, par exemple, c'était une erreur. C'est-à-dire que, comme ils avaient du mal à se repérer, ils ont cherché, ils ont tâtonné, ils ont perdu du temps pour trouver ces arrêts secondaires, finalement. C'était pas leur faute, hein. C'était comme ça. Ils voulaient absolument réussir la mission qu'on leur avait confiée. Donc, ils avaient à cœur de prélever des roches aux endroits qu'on leur avait commandés. Donc, ils ont perdu du temps. Du coup, ils sont arrivés près du cratère, mais ils n'avaient plus de temps. Ils n'avaient plus de temps pour le trouver, pour le chercher. Ça, si vous regardez la mission Apollo 15, où il y avait le rover, la stratégie était totalement différente, c'est-à-dire qu'avec le rover, où on pouvait aller à 4, 5, 7 km pour Apollo 17, 7 km du LEM, la stratégie, c'était d'aller d'abord au plus loin pour économiser le temps, pour, en cas de problème technique, avoir le temps de revenir à pied et de ne pas perdre du temps sur le chemin aller. Pour éventuellement devoir abandonner l'objectif principal qui se trouvait au plus loin. Voilà, c'est un des exemples comme ça. On a peu de GPS à l'époque sur la Lune, et d'ailleurs sur la Terre, mais il n'y avait pas un risque de se perdre quand vous dites s'éloigner du module lunaire. Alors, comment revenir sans se perdre? Il y avait un système génial. Le système simple, c'était suivre ses traces, et beaucoup l'ont fait d'ailleurs, les traces du rover. Mais il y avait un petit système de navigation sur le rover qui était initialisé au départ. Je ne me rappelle plus comment ça a fonctionné, mais c'était du calcul et c'était mécanique. Voilà, l'inertie. Peut-être Charles pourra nous en parler, mais en tout cas, ce système-là faisait que les astronautes n'étaient pas obligés de suivre leurs traces de roue pour revenir. Ça a été le cas, par exemple, lors de la troisième sortie sur Apollo 17, puisqu'ils faisaient une boucle. Ils ont pu gagner en assurance. Ils savaient revenir au LEM sans problème, et puis souvent, ils le voyaient quand même. Une question à ça, allez-y. Oui, bonjour. Est-ce que les Soviétiques à l'époque, ils n'ont pas réussi, ils n'ont pas essayé de conquérir la planète, de conquérir la Lune? Et aussi, est-ce que la NASA a perdu les 45 vidéos du voyage de Neil Armstrong? Oui, des originaux, on n'y parle pas. Oui, pour les Russes, oui, les Russes ont essayé. Ce qu'on doit retenir de cette compétition, c'est que finalement, les États-Unis, un pays capitaliste, a réussi avec une organisation très soviétique, très pyramidale, puisque la NASA, il y avait un chef en haut, et tout le monde était aux ordres, c'était pyramidal. Et du côté russe, il y avait un système de concurrence à l'intérieur du système, paradoxe total. Alors c'était pas pensé, hein, mais c'est comme ça que ça s'est joué, avec des intrigues en fonction des influences politiques. Et vous aviez des équipes de Michin, de Korolev. Il y avait, à un moment donné, il y a eu même trois programmes lunaires russes en concurrence à l'intérieur de l'agence. Qui était l'embryon de l'agence spatiale Tchelomei. Voilà.
Et donc, il y avait une proposition avec la fusée Proton, qui existe toujours aujourd'hui. Il y avait la M1, et tout ça était en concurrence. Et la division de ces forces-là, cette concurrence forcenée, finalement, les a amenés à une dépense d'énergie, une dispersion qui ne leur a pas permis d'aboutir. Mais les astronautes, par exemple, dont Alexei Leonov, étaient très, très, très volontaires pour y aller. Et pour, on parlait tout à l'heure de risque. Alors, eux étaient encore plus fous que les Américains. Ils allaient carrément au suicide. Par exemple, en 1968, il y a déjà deux vols d'un Soyouz modifié qui s'appelle Zond, qui a déjà fait le tour de la Lune, et ça ne s'est pas très bien passé au retour. Ça n'a pas très bien marché. Et les ingénieurs russes considèrent qu'il n'est pas prêt pour accueillir des hommes à aller faire le tour de la Lune. Eh bien, Leonov, à l'automne 68, il engueule le chef du programme pour lui dire vous êtes mou, vous ne prenez aucune décision, moi je suis prêt avec mon coéquipier à monter dans la prochaine zone pour battre les Américains, pour être les premiers autour de la Lune. Et les Russes savaient qu'ils n'étaient pas prêts à se poser sur la Lune, mais s'ils avaient médiatiquement réussi à faire le tour de la Lune avant les Américains, c'était encore gagné, encore une première soviétique. Et Leonov voulait embarquer, et du coup, on lui a refusé finalement. Et le vaisseau a été envoyé, et quand il est revenu, il y a eu une dépressurisation au moment de la rentrée dans l'atmosphère, et s'ils avaient été à bord, ben, ils seraient morts. Voilà. Oui. Une dernière question, parce qu'on est malheureusement à la fin. S'il n'y en a pas, moi j'en ai une certainement. Est-ce que le fait, on a eu dans toutes ces missions qu'un seul scientifique, qu'un seul géologue? Est-ce que ça a apporté quelque chose d'avoir un géologue qui est encore, je crois, vivant, si je ne me trompe pas? Oui, Harrison Schmitt est toujours bien vivant. Et sur quelle mission, donc, rappelez-nous, oui. Il est très actif, d'ailleurs, auprès de Donald Trump pour promouvoir un retour à la Lune des astronautes américains. Il a fait un superbe travail, magnifique, mais je dirais que tous les autres astronautes aussi. Il a fait un tout petit peu plus que les autres, parce qu'il est tellement passionné, évidemment, par ce qu'il a fait, mais tous les astronautes Apollo, à l'exception, allez, peut-être Alan Shepard qui s'en moquait un petit peu, la géologie, il avait dit à ses profs, bon, hein, j'étudie la géologie pour vous, mais c'est vraiment pas ma tasse de thé, vous avez bien compris, je ferai le boulot, mais... Hein. Et voilà, je donnerai un coup de golf sur la Lune, ça me fait plus. Mais tous les astronautes, Neil Armstrong en parlait qu'il avait fait que 3 minutes d'exploration, et avant ça, il a fait que 10 minutes de collecte d'échantillons. Mais en 10 minutes, ce qu'il a ramassé sur la Lune en échantillons, a laissé les géologues vraiment admiratifs. Il a dit, personne d'entre nous n'aurait fait mieux que lui en 10 minutes. Il nous a rapporté une diversité d'échantillons extraordinaires. Et même après tous les vols Apollo, c'est les échantillons d'Armstrong qui sont énormément envoyés parce qu'ils sont tellement représentatifs de ce qu'il y a sur la Lune. Donc voilà, grand coup de chapeau à tous les astronautes. Comme quoi il faut garder l'homme au centre hein, de cette exploration. Je vais remercier Bernard Chabert, Philippe Anneros et Charles Frankel pour leur intervention. Je vous rappelle que dans une trentaine de minutes, et même assez précisément 30 minutes, à la demi, nous avons donc le prochain chapitre, c'est-à-dire la Lune, l'aventure continue, puisque là on a regardé un peu le passé et tiré surtout les leçons du passé. Merci infiniment à vous trois et à la semaine. Nous avons bien évidemment de partager.